Bonjour à tous et bienvenue. Merci de participer à cette conférence de presse de l'ODIPOP pour les 40 ans de l'ODIPOP. Alors, diapo suivante. Je me présente, je suis Catherine Crenneberg, je suis gynécologue obstétricienne. J'ai une formation mixte d'épidémiologie et j'ai été nommée praticien hospitalier médecin clinicien d'évaluation, c'est-à-dire que j'ai eu un des cinq postes Kouchner pour avoir un poste mixte d'évaluation et de pratique clinique. Donc en fait, depuis que je suis praticien hospitalier, j'ai toujours eu quasiment une double activité, activité clinique et autre activité. Et donc, je connais l'ODIPOC, c'est ce que je disais, depuis les années 84, où je faisais ma formation d'épidémiologie à l'INSERM et où j'ai découvert, enfin, j'ai travaillé sur les dossiers informatisés de la maternité de Haguenau, un des piliers de la création de l'ODIPOC. Donc, voilà, date de création 1980. Claude Sureau en a fait un compte rendu lors de journées de collège. Et à l'époque, ça s'est appelé l'ODIP, l'Association pour l'utilisation de dossiers informatisés en périnatalogie. Cette création est issue d'une demande du comité consultatif pour l'informatique médicale qui était promu par le ministère de la Santé. Et l'objectif était, enfin, l'intuition, l'objectif était que si on enregistrait bien les données et que c'était facilité par l'informatisation, on avait une chance d'augmenter encore, parce que dans les années 80, on avait constaté des progrès sur la santé périnatale, mais l'objectif était de progresser encore dans la prévention de la morbidité et de la mortalité périnatale. Et donc ce groupe de travail associait des gynécologues obstétriciens, des pédiatres, des épidémiologistes, et avait reçu dès le départ hein, le soutien du Collège national des obstétriciens français. Alors, qu'est-ce que l'ODIPOG? L'ODIPOG, c'est une association loi 1901, donc qui a quatre salariés, qui a un conseil d'administration, qui ne reçoit pas de subvention, ni publique, ni privée. Au moment de la création du réseau Sentinelle, on avait eu une subvention du ministère, mais ça n'a pas perduré après le lancement de ce réseau. Et donc, le fonctionnement repose sur un conseil d'administration, donc de membres bénévoles, de comités, un conseil scientifique, un comité d'éthique, et participent au conseil d'administration des représentants des sociétés savantes avec lesquelles l'ODIPOG a passé convention. Et parmi ces sociétés savantes, il y a le Collège des obstétriciens, le Collège des sages-femmes, le club des anesthésistes réanimateurs en obstétrique et la Société française de médecine périnatale. Donc, dans notre conseil d'administration, on a des gynécologues obstétriciens, des sages-femmes, des pédiatres, une psychiatre périnatale qui est pédopsychiatre et une anesthésiste. Le conseil d'administration aussi se repose pour de nombreux groupes de travail sur différents membres bénévoles. Et donc ça élargit aussi la possibilité d'avoir des ressources en bénévoles pour mener les actions. Avec le conseil d'administration, il y a aussi une commission de l'évaluation des pratiques professionnelles et on bénéficie du fait que des membres du conseil et puis des chevilles ouvrières de l'ODIPOG ont été ou sont toujours experts visiteurs de la HAS pour l'accréditation et ça nous fait un très très gros support. Alors, les objectifs.
Donc, les objectifs. L'objectif numéro un, c'est de structurer les données périnatales pour avoir des dossiers papier, mais aussi pour permettre d'avoir des dossiers informatisés structurés. Deuxième objectif, la base de données périnatale nationale. Troisième objectif, mettre à disposition des outils pour l'évaluation des pratiques professionnelles. Et quatrième, élaborer d'autres outils plutôt qui peuvent aussi être à bénéfice direct pour les usagers, améliorer la qualité de la prise en charge directement. Et puis cinquième objectif, des soutiens logistiques variés, logistiques même épidémiologiques et scientifiques, pour mener divers projets de recherche aux personnes qui le demandent. Je vous en dirai un mot de plus. Diapositive suivante. Alors, je reviens sur l'objectif 1 de structuration des données pour des dossiers papier dans un premier temps, et puis ce qui permet, une fois qu'on a structuré avec des référentiels métiers, eh bien on peut écrire des spécifications pour les éditeurs de logiciels métiers informatisés. Et pour ces logiciels informatisés, là, ce que ça permet, c'est que ce soit interopérable sur le plan sémantique, c'est-à-dire que les professionnels veulent dire la même chose avec le même terme qui est codé et qui peut être, qui se retrouve dans différents systèmes d'information. Donc on peut échanger. On peut aussi exporter les données réglementaires, comme les données d'activité pour le PMSI, ou les données du premier certificat de santé de l'enfant. Et ça, c'est le premier certificat de l'enfant, c'était un des premiers objectifs d'export à partir du dossier informatisé. On a même travaillé pour le dossier médical personnel, avec des spécifications en périnat qui étaient demandées par la ZIP. Diapositive suivante. Deuxième objectif, la base de données périnatale qui rassemble des maternités volontaires sous la forme d'un réseau Sentinel. Ça a été créé en 1994 à l'issue d'un week-end, des journées de l'ODIPOC qui se déplaçaient en région à l'époque et qui était l'occasion de brainstorming très productif, puisque à ces journées de 1994, on avait décidé de la création du réseau Sentinel et de l'évaluation des réseaux de santé périnatale. Donc ce réseau, il est basé sur le volontariat des maternités. Il y a une base de données de plus de 800 000 patientes depuis pas mal d'années, donc on peut voir des évolutions sur les résultats, sur les pratiques professionnelles. Et puis, donc, c'est un très bon outil pour l'évaluation des pratiques professionnelles, pour l'évaluation interne et externe des réseaux de santé périnatale, pour la certification des réseaux, puisque ça permet à une maternité de se comparer par rapport aux autres maternités du réseau périnatal de même type, par exemple, et elle peut produire ces éléments-là lors de la visite d'accréditation de la HS. C'est un outil d'amélioration des pratiques professionnelles reconnu. Diapositive suivante, la mise à disposition d'autres outils, donc c'est toujours du soutien à l'amélioration des pratiques professionnelles, par exemple avec l'expérience de certains, je pense à Françoise Manditelli qui est médecin coordinateur d'un réseau périnatal très dynamique de longue date et qui a été un laboratoire de création d'outils pour améliorer la pertinence, par exemple la pertinence des césariennes, pour aider à faire des revues de morbi-mortalité. Donc tous ces outils-là sont mis à la disposition, à la partager. Et puis la modification des spécifications pour les éditeurs de logiciels suit aussi les demandes de la Haute Autorité de Santé, par exemple l'audit du dossier médical à l'hôpital, les indicateurs qualité, sécurité des soins, on modifie les dossiers avec des mises à jour très régulières pour pouvoir sortir facilement à partir du dossier informatisé ce qui est demandé lors des audits de la Haute Autorité de Santé.
Voilà, pour la tenue du dossier en particulier, ça c'est le cœur du métier. Alors l'élaboration d'autres outils sont disponibles sur le web, les courbes de croissance de l'Audipog que l'on peut avoir sur son smartphone pour une utilité individuelle, mais aussi on signe des conventions pour des utilisateurs ou des scientifiques. On a des conventions avec l'INSERM qui utilise ces courbes. On peut aussi fournir ces données-là, puisqu'on a des courbes en population française de longue date et qui avaient été validées sur des travaux scientifiques menés par le professeur Clarisse sur des données biologiques sur les facteurs de croissance des enfants, etc. Deuxième outil, si vous êtes allé trop vite, j'ai pas parlé de la roulette des bébés, qui est le dernier né, poursuit des recommandations de suivi des enfants en postpartum, en particulier repérage des signes d'infection sans les traiter systématiquement par antibiotiques. Il faut faire une surveillance en fonction de l'heure de naissance du bébé, et cette roulette des bébés qui a été créée par une sage-femme coordinatrice et qui avait été présentée lors des journées des réseaux, nous l'avons transformée en une appli qui est disponible sur le web. Voilà, ce sont des applis disponibles. Donc, et dernièrement, dernier objectif, le soutien logistique pour différentes études, des mémoires de sage-femme, des masters, des thèses. Et vous aurez une brillante élève thésée qui vous présentera la présentation suivante. On a une base de données qui peut être utilisée par tous ces professionnels en formation ou aguerris. De nombreux travaux ont été réalisés et conduits sur la base de données et publiés. Et parmi ces travaux, il y a l'évaluation des maisons de naissance. Diapositive suivante. Donc les perspectives, je vais terminer. Le prochain séminaire technique de l'Audipog aura lieu en visio, on a été prudent, pour le mois de septembre 2021, et parlera de la nouvelle certification de la Haute Autorité de Santé, nouvelle certification adaptée à la maternité, mesurer, améliorer la qualité du parcours en périnatalité. Il y aura deux sessions Audipog à la journée Paris Santé Femmes 2022. Et puis, un projet de référentiel, d'élaboration d'un référentiel partagé avec des représentants des usagers, concernant en particulier le projet de naissance. Et peut-être dans les perspectives, moi j'aimerais bien qu'on arrive au dossier périnatal des 1000 premiers jours. Trois petits points. Dans les perspectives, il y a toutes celles qui sont offertes par les collaborations dont j'ai fait un petit peu état, les collaborations présentes ou à venir. Et donc, j'annonce pour la suite de la conférence de presse, dans les collaborations, il y aura Chloé Barazinski qui représente le Collège national des sages-femmes, le Collège des sages-femmes de France. Qui parlera de son travail sur les maisons de naissance. Il y aura Olivier Picon qui représentera le groupe de recherche sur les infections et grossesses au nom du collège. Parce qu'on n'a pas encore de partenariat spécifique avec le GRIG, mais peut-être que ça ne saurait tarder si on trouve des sujets, et je pense qu'on pourra en trouver. Et puis, dans les autres collaborations, vous aurez un très bon exemple avec la présentation conjointe de Françoise Ronditelli, présidente du conseil scientifique de l'Audipog, et Amina Yamian, qui représentera la commission bientraitance du Collège des obstétriciens. Voilà, merci de votre attention, et on vous met l'adresse du site et du compte Twitter.